Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Dégustabox qui est quand même pas mal lourde. Aujourd'hui, la Dégustabox. Bon, comme vous voyez, ma tête, je suis pas coiffée. Je suis maquillée à l'arrache. Normal. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, je suis dehors. Le gros tas de terre que vous voyez là, enfin par terre, il n'y a plus de pelouse parce qu'il y avait la piscine. Donc, on s'inquiète pas. Alors, on va commencer avec Dégustabox. Je l'ai déjà pré-ouvert, comme vous le voyez. Parce que c'est toujours une galère d'ouvrir le carton. Je galère et j'ai pas envie de galérer devant la caméra. Donc voilà. Alors, on va commencer. Oula, c'est un peu just. Hein. Alors, la Dégustabox. Alors, en premier, nous avons donc le résumé, en gros. Le résumé avec les prix. Ouh, ça a l'air pas mal, pas mal. Oh tiens, dis donc. Calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent qui, bien sûr, fera partie de mes prochaines vidéos. Soyez-en sûrs. Il y a une recette avec la sauce pesto. Pesto, pardon. Pesto. Non, mais sérieux. Pesto, aubergine grillée. Ça a l'air pas mal, pas mal. Et des crisp rolls. Crisp rolls. Bon. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, l'ouverture de la box. Et c'est parti. Si vous entendez des bruits de travaux, c'est parce que mon voisin derrière fait des travaux. Si vous entendez des bruits de sifflement, c'est parce que mon voisin d'à côté. Et je sais pas ce qu'il a. Il siffle. Alors on va commencer donc, qui dit feuille avec crisp rolls, j'arriverai jamais à le dire, dit crisp rolls. Donc il y a, alors c'est, nouveau format avec plus de plaisir, 240 grammes, entre 225 et 240 grammes. Donc, tout le monde connaît un peu les crisp rolls. Je vais vous faire le petit résumé. Crisp rolls. Ah, c'est là. Donc les crisp rolls sont à 1,59€. Alors nos pains dorés ont une saveur délicate grillée grâce à une touche de sucre de malt, d'orge. Quant au complet, il est... Alors, il apporte tous les bienfaits du blé complet associé au malt d'orge. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ce malt d'orge, mais ils me le foutent à toutes les sauces. Pour un goût céréalier délicieux. Des produits sains à apprécier tous les jours et à tout moment de la journée. Donc, ils disent bien que c'est un paquet par box. Donc, oui, un paquet par box. Et donc 1,59€, les crisp rolls dorés au blé complet. Donc ça c'est nickel avec du beurre le matin ou de la confiture. Ensuite nous avons, ouh là 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 là, alors des flocons d'avoine aux cerises, aux amandes et aux graines de tournesol. Je vous montre. Ça a l'air pas mal. Bon, comme d'hab, hein, quand ils disent aux cerises, il doit y avoir deux cerises qui se battent en duel dans le paquet. Une. Oui, alors vous voyez là. Voilà. Là, il y en a un petit peu. Voilà. Donc là, à mon avis, vous avez la quantité de ce qu'il y a dans le paquet au niveau cerise. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Mais ça, c'est bien parce que moi, j'adore tout ce qui est céréales. Le matin ou dans un yaourt nature. Et c'est sans huile de palme et moins 5% de sucre ajouté. Donc il y a 400 grammes. Nous allons voir ce que dit le lexique. Et je ne les trouve pas. Ah si, là. Donc c'est les Jordans granola faible en sucre. 3,59€, c'est un peu excessif, je trouve. 3,59€. J'essaye de remettre bien mes cheveux, mais c'est peine perdue. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit
Du granola croustillant à base de flocons d'avoine grillés généreusement associés à des fruits, noix et graines, avec moins de 5% de sucre, sans huile de palme, sans colorant, sans conservateur, ni arôme artificiel. Je fais la traduction du « sans goût » ou pas. Voilà ce que Jordan vous propose au petit déjeuner. 100% plaisir, sans culpabiliser. Ah bah c'est sûr qu'après avoir mangé ça, tu peux pas culpabiliser. Hein. Il n'y a pas de goût. Bon, et tout ça, 3,59€, ce qui me paraît excessif. Mais à voir, le goût peut être là. Ensuite, nous avons... Nouveau, les petits lus, saveur gourmande, cranberry et graines de chia. Chia, ouais c'est chia qu'on dit. Voilà. Vous voyez, et c'est des sachets individuels. Il y a 4 sachets individuels, dans chaque paquet il y a 4 petits gâteaux. Donc ça c'est pareil, c'est équilibré, ça avec un verre... comment ? Un verre d'eau et un fruit, ou un verre de lait et un fruit, ou enfin voilà. Pour le goûter à 4 heures, c'est vachement équilibré quand même. En plus, ça tombe bien, j'adore les cranberries. Donc voilà. Par contre, j'ai jamais goûté les graines de chia, donc je peux pas te dire ce que ça donne. À voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce paquet ? On nous dit. Lu, les petits épis. Sélection gourmande, cranberry et graines de chia. Ils sont à 1,89€. Découvrez les petits épis sélection gourmande. Un biscuit craquant et gourmand au blé complet, aux cranberry et aux graines. Idéal pour se faire plaisir avec de bons ingrédients. Sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel. Je pense que cette box... Ah bah oui. Quel gogol. La box, c'est la box saine et gourmande. Donc on risque pas de prendre des kilos avec cette box, je pense. Quoique, faut pas en abuser. Ensuite, nous avons... Les Princes. Autant vous dire que mes enfants, ça, sont fans, normal. Des petits princes qui peuvent faire des petites sculptures avec les petits gâteaux, les manger après, ça passe crème. Il y a 6 sachets dedans, et dans chaque sachet, je pense que tu dois avoir 4. 4 ou 5 sculptures à faire. Donc les sculptures c'est comme ça, il n'y a rien de compliqué. Vous avez les petites têtes, vous avez les socles, vous mettez les socles et après vous pouvez manger le biscuit. Voilà, c'est expliqué là. Paf paf, on mange. Donc on voit, alors qu'est-ce que ça dit sur ce petit paquet ? Prince, mini prince et si. 1,69€, bah, je connais le prix, j'en avais déjà pris ça. Découvrez les mini princesses, ce délicieux petit biscuit au blé complet et aux pépites de chocolat. Une recette sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme. Entrez dans l'univers du prince avec ses biscuits à assembler pour un goûter toujours plus fun. 1,69€. J'ai envie de dire que c'est un peu cher parce que vu ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais je ne le dirai pas. On continue avec une tablette de chocolat. La tablette de chocolat Côte d'Or bio. Recette à l'intérieur. Ok, sympa, cool. Au moins tu l'ouvres, t'as la recette, t'as pas besoin d'aller chercher sur internet ou dans tes bouquins de cuisine pour faire un gâteau au chocolat quoi. Donc voilà, bio, agriculture biologique, et c'est une tablette de normalement 200 grammes. 70% noir, je pense. Ah non, c'est une tablette de 150 grammes. J'ai été médisante. Oui, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur cette tablette de chocolat, miam miam. Alors, Côte d'Or bio, 70%. 2,99€ la tablette, normal. Il y a le logo bio dessus. En plus, il y a la marque Côte d'Or. Donc voilà. Mettez de l'intensité dans vos desserts. Découvrez le chocolat Côte d'Or bio, dessert 70% de qualité supérieure, élaboré avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Côte d'Or, le plaisir à l'état brut. On va rien dire, mais je pense que cette tablette de chocolat fera pas la semaine. Je pense que d'ici ce week-end, elle est morte. Parce que les gâteaux, comment vous dire,
La pâtisserie, c'est quelque chose que je fais avec ma fille quasiment une fois par semaine. Parce que c'est mon métier, mais parce qu'aussi elle adore la pâtisserie. Faire la pâtisserie. Pas spécialement la manger, hein, parce que tout ce qu'on fait ne mange pas. Surtout s'il y a des fruits. Il y a du vent, comme vous le voyez. Et il fait un peu frais, comme vous le voyez. Donc je vais peut-être attraper un rhume en rentrant. On sait jamais. Alors après, nous avons. Ouh, c'est bon ça. Alors. Zappetti ravioli pur bœuf bio. C'est une petite boîte de 400 grammes. Bon, bah ça c'est nickel. Hein, t'as pas envie de te faire chier. Tu mets ça dans un plat, du gruyère au-dessus ou du parmesan. Œuf au four. Et pour les enfants, c'est largement suffisant quoi. Pâte au blé complet. Nickel. Quand je dis pour les enfants, je parle essentiellement de ma fille parce que mon fils ne mange pas de pâtes et pas de riz. Ce qui n'arrange pas. Les choses quand je dois faire manger. Donc voilà, sans sucre ajouté, sans conservateur, évidemment, c'est bio, c'est bon, c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette petite boîte? La boîte est à 1,95€. Des raviolis en forme de demi-lune farcie à la viande de bœuf accompagnée d'une délicieuse sauce cuisinée avec des petits légumes, carottes et oignons. Et de la viande de bœuf hachée, le tout. Avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. 400 grammes, 1,95€. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Nous arrivons à quelque chose d'autre. Ça va y tomber. Alors ça, ça va pas rester longtemps non plus. Comment vous dire? Dans la boîte. C'est sujet. La Vosgienne, hein. La Vosgienne parfum cassis. Donc ça c'est pour mon mari parce que bah, j'aime bien, mais on se partage. Et la Vosgienne miel et citron, ça c'est plus pour moi parce que lui il n'aime pas du tout le miel et le citron. Donc voilà, c'est des petits paquets. Il y en a 18 par paquet. Ils sont à 1€ la boîte. J'avais retenu ça parce que j'en avais déjà pris. Alors, un doux moment de plaisir dans votre poche, les bonbons Lavosgienne, oui, savoureux et intense pour vivre l'expérience d'une cascade gourmande sans arôme artificiel ni colorant à emporter partout avec soi. Effectivement, emporter partout parce qu'en général, ces trucs-là, ça finit dans mon sac et lui dans sa voiture pour... On va pas se mentir, c'est quand tu te fais chier dans la voiture ou que... T'as un petit creux, mais t'as pas envie de manger quelque chose de gros, tu prends ça et voilà. C'est mieux que. Ou un fruit. Mais pas tout le temps l'occasion de manger un fruit. Tandis que ça, tu le mets dans ton sac. Quand tu veux. Nous avons. Waouh! Ouh! Nous avons donc la fameuse sauce pesto et aubergine grillée. Je vous montre cela. Miam, miam, miam! Il commence à pleuvoir, c'est super magnifique. Si à la fin de la vidéo je suis toute trempée, que je rentre et que... Oh, je vais me raser la tête. Et que je suis malade, je vous ferai part de ma maladie et je voudrais bien la partager avec tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce petit pesto? Déjà, il y a combien de grammes? Il y a 190 grammes. Donc ça, il y a une recette là qui est avec, mais je ne vais pas suivre la recette. Parce que moi, ça, en général, je fais revenir du poulet. Et j'ajoute la sauce là à la fin et je mange ça avec du riz. Et je rajoute aussi des aubergines coupées en petits pour qu'il y ait des morceaux. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le bocal est à 2,70€. Un savoureux mélange d'aubergines grillées, de tomates séchées et de basilic. Un pesto gourmand avec 36% d'aubergines en teneur... Et une teneur en sel de seulement 1,2 g pour 100 g de produit. Le plaisir des papilles, sans compromis. Ça me fait marrer, moi, tous les mots qu'ils mettent à la fin, là. À emporter pour partout sur soi. Le plaisir des papilles, c'est un compromis. Ils mettent tout le temps une petite phrase qui accroche à la fin, que t'as envie de te dire, c'est pas la peine de noter cette peine, je l'ai maintenant, je peux pas faire demi-tour, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc 2,70€, le petit bocal là.
C'est un peu cher juste pour une sauce. Si t'achètes les aubergines toi-même et le pesto, tu le fais, ça t'a rien moins cher. Bref. Nous avons les Perrier. Touloum. Donc les Perrier citron et goyave. Non, gave. Goyave. C'est pas écrit en français. Donc, je lirai sur la feuille. Et là, c'est fraise kiwi. Je crois que c'est la goyave, là. Goyave. Bon, bah, ça doit être citron goyave et fraise kiwi. C'est 25 centilitres, basique, Perrier. J'en ai déjà pris, elles sont très bonnes, mais à boire très très frais, parce que sinon, c'est dégueu. Enfin, après, ça, c'est mon goût personnel. Hein. Si vous trouvez ça bon, chaud, vous buvez chaud. Mais moi, je préfère très très frais, avec des glaçons dedans, et limite des petits fruits... rajouter dedans, ça donne plus de goût. Alors, le pack de 4 canettes. Donc quand je dis 4 canettes, c'est soit 4 canettes comme ça ou soit 4 canettes comme ça. C'est pas des mélangés, tu peux pas faire un mélange. Donc, est à 2,49€ le pack de 4. Et ils disent, envie d'une pause gourmande faible en calories avec Perrier et Juice, testez la force des bulles de Perrier, alliez à la délicieuse allié à de délicieux jus de fruits pour un rafraîchissement intense et riche en goût, à déguster à tout moment de la journée. J'ai eu du mal. Et donc 2,49€ le pack de 4 canettes. C'est pas excessif parce que c'est quand même Perrier, c'est quand même de la marque. Et enfin, ça reste des canettes. Et toutes les canettes au jour d'aujourd'hui sont super chères. Donc, voire même très très chères. Alors, nous avons. De l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Fallait que je le mette dans la phrase. Et nous avons... Alors, c'est un crémant... Non. Crémant ? C'est du cidre, pardon, excusez-moi. Et Écusson Cidre, créateur du cidre. Oui, 100 ans. Édition limitée bio. 75 centilitres. 4,5 volts. Ça sera bu, c'est sûr, certain, ça. Oh oui. Ça sera bu, ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, il y a l'anniversaire à mon dernier, là, bientôt. Donc... je sortirai la bouteille et puis comme ça on pourra déguster ça et je vous dirai ce que ça vaut. Alors, écusson bio 100 ans, 3,45€ la bouteille, ce qui n'est pas excessif pour un cidre. Alors, ils disent quoi? Un cidre 100% bio, 100% normand en édition limitée, élaboré par les deux maîtres de chai, Catherine et Antoine. Il révèle. Oh là là, je ne referai jamais cette vidéo. Il révèle l'assemblage signature d'écusson, un cidre léger et rafraîchissant, dévoilant des notes subtiles de pomme verte. Je vais vous dire si je sens le goût de la pomme verte. Je ne pense pas, honnêtement. Mais comme ils disent pomme verte, du coup, je vais peut-être rajouter des pommes vertes coupées en petits morceaux au fond. Il y a du vent là, tout s'envole, je vais voler. Il y a même mon volet qui s'est... Enfin voilà. Donc je vais répéter les prix. Pour les Princes, 1,69€. Pour la Vosgienne, c'est 1€ le petit paquet. Pour les Jordans, granola faible en sucre, donc c'est les flocons d'avoine. Oui. C'est 3,59€ pour le cidre, 3,45€. Pour les Perrier, 2,49€ le pack de 4. Pour les Lus, 1,89€. Pour la petite boîte ravioli, 1,95€. Pour la sauce pesto aux aubergines grillées, 2,70€. Pour les crisp rolls, 1,59€. Et pour la tablette de chocolat, 2,99€. Je sais pas, ça revient à combien. Je peux pas vous calculer ça en 30 secondes. Mais en payant la box, moi... je sais plus si je paye 15,99€ ou 14... Non, 15,99€, je crois. Ouais, non. Ouais, si, 15,99€.
Alors, je pense qu'il y en a pour plus de 15,99€, parce que déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18€ déjà, sans mettre les centimes derrière. Oh oui, 19. On en a pour presque, je pense, 23, 24€. Alors que je la paye 15,99€. Donc ça vaut vachement le coup quand même. Après, j'ai hâte, je vous mens pas, de prendre le calendrier de l'Avent. Trop hâte de voir ce que ça donne. Je crois que c'est la première fois qu'ils le font. Mais j'ai vraiment hâte de faire ça. Pour le calendrier de l'Avent, il y a un code promo. C'est Advent 2019. Donc Advent 2019. Je vous appelle 2019 ou ça va aller? Donc voilà. Et le code promo, c'est au lieu de 45 euros, c'est 39,99. Donc 40 balles quoi. Ça vaut le coup, c'est 5 euros. Bon, après, c'est pas non plus. Et c'est un format 60 x 90. Donc format XXL. Il doit être machin. Parce que là, c'est un format A4. Donc 60 x 90, le machin, il. Waouh, ça doit faire deux fois ça sur énorme. Trop hâte. Donc encore le calendrier de l'Avent, voilà. Il y aura la Degusta Box et il y aura aussi le calendrier de l'Avent Action. Et le calendrier de l'Avent, il y en aura un autre, hein, ça c'est sûr, parce que j'adore les calendriers de l'Avent. Et bien sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ici en dessous, à écrire un petit commentaire comme quoi vous avez bien aimé ou comme quoi vous n'avez pas aimé ma vidéo. Il n'y a pas de souci, toute critique est bonne à prendre. Je reviens vers vous très vite avec une nouvelle vidéo et prenez soin de vous!